L'école de céramique de Provence a été créée en 1989 d'une volonté partagée entre l'Association des céramistes et santonniers du pays d'Aubagne et l'ADEF-CFBT, qui est une continuité d'une association qui se nommait la Bourse du Travail, dont la fonction était de qualifier à l'époque les ouvriers des manufactures. On forme actuellement à 3 diplômes. Qui sont donc le CAP décoration céramique, le CAP tournage céramique et le CAP modèle et moule céramique. Donc les modeleurs mouleurs, c'est les personnes qui doivent être en capacité de créer des modèles et enfin produire donc ce qu'on appelle les moules de production qui permettront par différentes techniques de produire donc des objets en céramique. Les compétences que doivent acquérir les décorateurs céramiques sont essentiellement la capacité de mettre en décoration et en couleur les objets céramiques qui théoriquement sont produits par, entre autres, les tourneurs. Et donc, les tourneurs doivent être en capacité de tourner des bols, des soupières, des pichets, des vases. On est très orienté toujours autour de l'art de la table, tous les objets qui nous entourent, qu'on appelle des pots. Un petit peu de difficulté à émailler, ça peut se faire quand même, hein, parce que ça ne boit pas bien, donc tu ne pourras pas le faire au trempé, par contre tu pourrais l'émailler, tu pourrais choisir de... La transmission a énormément d'importance dans nos métiers. Il y a une relation évidente entre un savoir et une personne en attente d'un savoir, mais au-delà de ça, un maître d'apprentissage, un maître de stage ou un formateur, c'est effectivement celui qui va transmettre des savoirs, mais peut-être surtout qui va... pas comment utiliser le mot, houspiller, taquiner, énerver la personne avec qui il est en lien pour qu'au-delà des savoirs techniques, il y ait ces petites lumières qui font qu'aujourd'hui, quand on se promène dans notre profession, on va voir 300 ateliers et on verra 300 productions. Alors, à mon avis, ce qui vaut le coup quand tu veux faire un truc comme ça, c'est que d'abord, comment dire, c'est pas que le dessin de ce que tu veux représenter et que tu fais, c'est ton assiette avec le dessin. C'est ça. Alors que là, tu fais ton assiette avec le dessin directement sur ton assiette. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est dessiner ton assiette avec le décor. Hein, qui te permet comme ça voilà, de simuler plusieurs possibilités. D'une façon générale, nos métiers ressemblent probablement un petit peu quelque part, parce qu'on est sur des fondamentaux, aux métiers que peuvent faire les agriculteurs. Un agriculteur, il n'est pas énervé dans son champ, il travaille, il produit, il est dans le temps long. Dans nos ateliers, quelque part, on est aussi dans ce temps long. On démarre un objet aujourd'hui, les simples délais techniques de mise en œuvre dans une production, on va dire, traditionnelle, grosso modo, c'est 15 jours. On ne peut pas être pressé. On ne peut pas être impatient de toutes les façons, il faut que les choses se déroulent. Dans l'ensemble, quand même, les ateliers sont assez sereins. Hein, c'est un peu des... Bon, le mot serait exagéré, je ne sais pas si c'est des havres dans un monde de brutes, mais... Il y a un petit côté quand même un peu inhabituel par rapport à nos sociétés actuelles. L'école n'échappe pas à ça, et je pense que ça se ressent. Le métier s'y prête. Le fait de faire, c'est probablement un peu de l'oubli de soi-même. On est dans autre chose, on est dans des moments où on n'est plus dans soi-même. On est ailleurs. Ouais, on oublie ses crises existentielles sûrement, allez, quelque chose de ce style.
J'ai découvert la céramique au Centre National de Céramique de Tunis. Et j'ai fait une initiation. Et je suis tombée dedans et il fallait que je continue. En fait, pour arriver à un moule de production, il y a trois moules. Il y a le faux moule, ensuite il y a le moule mère, qui est ce moule comme s'il y avait mon objet dessus. Et ensuite, à partir de ce moule mère, je ferai mes moules de production et je pourrai en faire autant que je veux. Et là, je suis en train de préparer mon moule mère à partir de mon faux moule. Donc ces deux moules-là, ils partent à la poubelle. Et là, je suis en train de faire celui qui va rester pour toujours. Comme le plâtre risque de s'écouler entre mes planches, je vais faire des petits boudins de terre qui vont venir bloquer le plâtre. Moi, je suis en spécialité tournage, mais pour moi, c'est pas une finalité, c'est juste un outil. Je me destine à être seule dans mon atelier, donc j'ai plus de facettes à connaître que le tournage. La céramique, c'est génial parce que tu es en contact direct avec la matière tout le temps. Par exemple, quand tu travailles le verre c'est magnifique, mais tu touches jamais la matière. Nous, on touche la matière constamment et par exemple, avant de commencer à façonner une pièce, on fait une tête de bélier. Donc c'est une façon de malaxer la terre pour en sortir les bulles et pour la rendre homogène. Et c'est la première chose que tu fais en arrivant avant de travailler sur un objet. C'est un peu un moment où tu dis bonjour à la terre, entre guillemets. C'est ton premier contact avec elle. C'est le moment où tu vas voir si elle est humide, sèche. Et puis même voir toi comment t'es finalement. C'est le moment où tu te poses dessus. Après, le tournage, c'est... Ça ressemble un peu à du yoga d'une certaine manière. C'est déjà le fait que ça tourne, c'est un peu hypnotique. Et puis, en fait, il faut être centré soi-même pour réussir à centrer la terre. Et du coup, c'est vraiment un moment de... Pas de transe, mais quasiment, quoi. Ça te fait passer sur un autre état. C'est-à-dire que tu vas prendre une matière et d'une boule de terre, tu vas créer un objet. Et là, tu te prends un peu pour Dieu. Mais en même temps, la matière, elle est vivante et elle sèche à sa manière, suivant l'humidité qu'il y a dans l'air, etc. Et du coup, en fait, t'es pas toute seule, il y a aussi la matière. Donc ça te donne des bonnes leçons d'humilité. Et t'es toujours en train de surfer entre ces deux états où t'es toute puissante et en même temps, tu l'es pas. La céramique, c'est hyper addictif. Et en même temps, c'est tellement infini, il y a tellement de choses à faire et à découvrir qu'en faire une fois par semaine, c'est pas suffisant et ça fonctionne pas. Rien pour créer un objet en faisant que ça tout le temps, ça prend énormément de temps. Et de toute façon, une fois que j'ai mis les mains dedans, j'avais envie d'y être tout le temps. Enfin, j'ai pas envie de faire autre chose et dès que je sors de mon atelier, ça me manque. Le dimanche, c'est le seul jour où je fais pas de céramique, j'ai envie d'y aller. Donc, ça tombait sous le sens. Ce qui me plaît dans la céramique aussi, c'est de travailler dans un atelier, de travailler seul. C'est une vie très calme. Et tu reviens vraiment aux fondamentaux, quoi. Tu travailles seul dans un atelier au rythme de la terre. T'as pas plus basique comme vie. Et c'est... C'est hyper relaxant. Il y a beaucoup de gens qui, en s'en rendant compte ou pas, mettent dans la céramique quelque chose d'un peu thérapeutique. Je pense que le bruit du tour, ça fait un ronronnement constant qui endort un peu presque. Et je pense que l'odeur de la terre y est pour quelque chose aussi. Et puis le fait que la terre soit vivante, et qu'on ait cette gestion de la sèche, du séchage, ça fait que la terre t'impose un temps qui est hors du temps.
et qui te fait tout oublier. Et puis, de toute façon, quand tu es sur ton tour, tu peux pas faire autre chose. Tu peux pas penser à tes soucis, à ta liste des courses, ça fonctionne pas. Si tu fais ça, ta terre, elle se décentre. Donc, elle te force à rester sur elle et avec elle. Et tu es seule avec ta terre et le monde peut s'écrouler autour, il se passera rien. Et du coup, bah, c'est comme de la méditation. Hein.